Et bien bonjour à tous les amis, c'est GX, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale, et oui, car aujourd'hui je suis en facecam, tout simplement pour la bonne et unique raison qu'on a atteint les 90 000 sur ma chaîne YouTube. Ça me fait super plaisir les amis, et franchement ça va faire très bizarre de me voir parler tout simplement, parce que habituellement je suis en live, et là en fait je vais faire le montage sur ma tête et ça va être très bizarre. Bon, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vais répondre à quelques questions pertinentes que j'ai demandé de poser sur un post YouTube, et effectivement vous avez été chaud, vous avez été 450 à liker et 339 à commenter, donc voilà, je vais répondre aux questions les plus pertinentes bien sûr, j'espère que cette vidéo vous plaira. Merci infiniment pour les 90 000 abonnés. Je mettrai sans doute une compilation de moments drôles les plus fun que je trouve de ma chaîne YouTube à la fin de cette vidéo. Je pense que ça va être cool et ça va rappeler de bons souvenirs à ceux qui me connaissent depuis assez longtemps, c'est-à-dire depuis Minecraft. En tout cas, on va commencer les amis. Alors, première question de KWTV, c'est quoi ton prénom? Mon prénom c'est tout simplement Julien, pour ceux qui connaissent, normalement vous connaissez. Je l'ai marqué en bio il y a pas longtemps maintenant, je crois que vous êtes nombreux à le savoir. Et puis voilà, c'est plus un secret pour personne. Avant j'essayais de le cacher un petit peu à l'époque de Minecraft et tout, parce que c'était vraiment une communauté cancer et tout. Enfin voilà, vous comprenez que j'avais pas envie de dire mon prénom après qu'on trouve mon nom et que ça toque chez moi et tout. Enfin bref, c'est un gros bordel. Du coup là j'étais un petit peu réservé sur mon tout ce qui était personnel, mais voilà, je peux vous dire que je m'appelle Julien, voilà. Prochaine question. Deuxième question de ANG Onyx, tu habites où? Que fais-tu des claviers après les avoir unbox? Alors écoute, j'habite vers 3, ça c'est pas un secret, enfin je le dis souvent puis je m'en fous, donc voilà, si vous habitez sur 3 les mecs, n'hésitez pas à venir sur Instagram, mon Instagram s'affichera juste là on va dire. Donc voilà, j'habite vers 3, après je vais pas rentrer dans les détails, mais globalement j'y vais souvent en train et tout. Et qu'est-ce que je fais des claviers? Eh bah écoute, il y en a qui sont là-haut, enfin dans le placard, il y en a qui sont là-haut encore, au-dessus du placard. Tiens, bouge pas. Tu vois, il y a le carton du clim, un autre carton. Un clavier et encore plein d'autres, enfin deux autres claviers et beaucoup de trucs. Donc voilà, c'est pour ça que bah, j'ai envie de vous faire gagner des trucs. Car déjà là, je suis déjà un peu voilà, blindé, on va dire. Et puis forcément, je trouve pas entièrement tout le temps l'utilité. Des fois, j'en donne à mes proches, donc c'est-à-dire genre potes, parents, frères. Enfin, vous avez compris. Mais sinon, voilà, je pense que le mieux, ce sera de les faire gagner. Donc voilà, soyez très actifs, il y aura des concours incessamment sous peu. Donc question de Revox, ta popularité t'a aidé à draguer? Smiley mort de rire. Entre parenthèses, question conne. Alors écoute, honnêtement, pas du tout. Vraiment. Parce que de 1, bah en mode avant, je me montrais pas trop IRL sur ma chaîne. Du coup, ils pouvaient pas savoir à quoi je ressemblais. Et puis même, on me reconnaît vraiment pas trop dans la rue. Vraiment, c'est très rare. Je sais qu'à mon lycée, il y a des gens qui me connaissent. Enfin, qui me connaissent d'abord de YouTube et après IRL. Et des fois, il y en a qui viennent sur mes lives, ils font « Ouais, t'es pas au lycée de machin et tout ?» Donc voilà, et puis moi-même, je me sers pas de ma popularité, entre guillemets, pour draguer, voilà. Tout simplement. Ok, donc prochaine question de Circle qui me demande pourquoi GX. Alors c'est très simple les mecs, vous allez tout comprendre dans cette vidéo. Vous voyez en fait avant j'avais un pseudo en fait très bizarre. J'avais mes initiales, mais entre mes initiales j'avais mis 3X. Et il y a mon ancien community manager, donc Lucky Wii si vous connaissez. En fait il trouvait ça très très chiant de prononcer les 3X. Et du coup il a dit GX et bah du coup voilà, c'est fini en GX. Et puis voilà. Et au fait tout le monde dit GX mais moi j'ai toujours dit GX, c'est bizarre. Faites un débat dans les coms, dites moi si vous dites GX ou GX. Moi personnellement j'ai toujours dit GX mais il y en a qui ont dit GX, je sais pas pourquoi. Alors prochaine question de Mathéo, il a écrit plusieurs questions en un commentaire, donc je vais y répondre en allant. As-tu des projets plus tard? Ouais mais ça sort un peu de YouTube en fait, et c'est complètement, enfin rien à voir un peu à ce que je propose. C'est vraiment pas des vidéos, c'est autre chose, c'est en ligne. Mais sinon des gros projets, bah juste créer une entreprise en fait. Et voilà, après c'est pas un projet que je voudrais faire à moitié en fait. Genre pour moi, genre il y aura que, entre guillemets, une seule issue comme on peut dire. Dans mon optique en fait, je ferai tout pour réussir à en créer une et tout. Donc voilà, je suis on va dire sur la bonne voie, c'est pas que grâce à YouTube. Prends pas la grosse tête en disant ouais regardez... je gagne un petit peu, du coup voilà c'est bon, j'ai une entreprise. C'est aussi hors YouTube, j'ai réussi à prouver des choses et franchement je suis super content. Donc voilà, un projet, bah déjà créer une entreprise et après pourquoi pas, genre même si ça fonctionne bien et tout, quand même continuer les streams. Je sais pas pourquoi j'aime bien, je kiffe vraiment les streams les mecs hein. Vraiment c'est un truc de ouf, mais après des gros projets je sais pas du tout, vraiment. En fait ça se fera au feeling, selon mon évolution sur YouTube, selon mon évolution, si je crée une entreprise plus tard ou pas. Voudrais-tu vivre de YouTube à moins que tu vis déjà de ça? Alors écoute mec, on va dire que j'ai genre, j'ai bientôt 16 ans du coup. Actuellement on est le 16 avril, mon anniversaire c'est le 28 avril et voilà, je suis né le 28 avril. Donc écoute, réellement je ne vis pas de YouTube. De 1, je suis chez mes parents, et de 2, bah en fait c'est pas entre guillemets assez pour vivre de YouTube. Ça dépend de moi en fait, c'est très très varié. C'est pour ça que il y a plein de gens qui disent ouais c'est varié YouTube, mais vraiment les mecs c'est très très varié. Il y a des mois je peux faire 150 euros vraiment, et il y a des autres mois je peux vraiment tout exploser. Mais en fait ça dépend vraiment, ça dépend. Donc voilà, n'arrêtez pas tout pour vivre de YouTube, vraiment c'est une grosse connerie à faire. Et voilà, vivre de YouTube en fait, je voudrais bien, comment dire, continuer à avoir de la pérennité
sérénité sur YouTube, mais j'aimerais pas en vivre parce que j'aurais une insécurité en fait tellement énorme, je compterais juste sur les vues, tu vois, donc il faudrait que je bosse à fond, enfin ça me plairait de continuer sur YouTube, de toujours avoir, de continuer dans le temps, ça m'intéresserait, mais de gagner ma vie grâce seulement à YouTube, tu vois, genre juste une sorte de revenu qui est YouTube et qu'elle est variée, franchement ça me plairait vraiment pas, je pense pas. Après si ça fluctue pas, pourquoi pas, mais pour l'instant bah c'est pas trop mon optique. Que fais-tu hors YouTube? Écoute, je fais du sport, je vais à l'école et après j'ai quelques projets hors YouTube, je peux pas trop vous en parler parce que après ça, c'est pas que ça pourrait faire polémique, mais voilà, c'est des projets qui sont entre guillemets mal vus en ce moment sur YouTube, enfin mal vus. Ouais, tu peux avoir des bonnes images de ça, mais comme tu peux en avoir des mauvaises. Et sinon écoute, bah ce que je fais en fait pour l'instant, hors YouTube, je fais du sport. Je me divertis souvent, j'essaie de me divertir quand vraiment bah j'en ai besoin parce qu'en fait, si vous voulez, grâce à YouTube, j'ai pu avoir une autodiscipline pour pouvoir faire des vidéos assez souvent, me lever à l'heure qu'il faut, me coucher à l'heure qu'il faut, et je pense que c'est très important d'avoir de l'autodiscipline sur YouTube, de faire des choses que vous n'aimez pas forcément. Enfin bref, sinon à part ça, je fais du sport, j'essaie de sortir, je profite et j'avance sur mes projets. Comptes-tu revenir sur Minecraft? Si oui, grâce à quoi? Franchement, je sais pas du tout, parce que ça me plaît vraiment plus. Je suis très honnête, ça me plaît vraiment plus. Ça fait longtemps que j'ai pas démarré le jeu juste pour jouer, en fait. C'était juste pour faire un live. Et ça me plaît plus, je sais pas. Genre, j'ai peut-être trop joué, même il y a plus d'engouement. Enfin, ça tourne en rond, en fait, sur ce jeu. Et moi, je suis vraiment mieux à jouer à Fortnite quand j'en ai envie avec des potes que j'aime, que jouer à Minecraft un peu tout seul dans mon coin. Enfin, je trouve ça très chiant. Sachant que j'ai torché le jeu pendant 4 ans, on va dire. J'ai envie de passer un peu à autre chose, même si de base, moi, je change pas beaucoup de jeu. Là, pour le coup, je ressens aucun plaisir à jouer. Et puis, même si Minecraft se remet à rebuzzer, supposons. De 1, il y aura plus d'engouement et de 2, bah du coup en fait ça pourra refaire un petit peu marcher ma chaîne en plus, tu vois. Je pense pas revenir réellement parce que je m'ennuie trop. Puis même si ça rebuzz, franchement je serais pas d'avis pour retourner sur le jeu. Mais pourquoi pas faire des lives des fois? Dites-le moi en commentaire si vous plairait des petits lives des fois sur Minecraft, ça pourrait être super plaisant. Alors, c'est quoi qui t'a fait envie de commencer YouTube? Sinon, je te kiffe, bonne chance pour la suite. En fait, c'est tout simple, c'est vraiment, c'est sans mentir vraiment, je vais peut-être passer pour un gros fan, mais c'est réellement Cause, et plus particulièrement les compilations Hunger Games de Cause qui m'ont fait commencer YouTube. Du style, en fait, avant, ils faisaient plein de kills en Hunger Games, ils en faisaient des compilations, et moi j'avais bien kiffé le délire, c'était simple à faire. Genre, faire deux cuts, ça va, c'est simple, mettre une musique, c'est simple. Et en fait, c'est tout simplement ça qui m'a fait commencer YouTube. C'était pas sur cette chaîne là, c'était sur une ancienne chaîne, mais voilà, en gros, bah c'est lui qui m'a donné envie de commencer YouTube. Ok, donc question de Teletubbies. Teletubbies qui est un gros donateur, merci encore à toi, dédicace à toi. Déjà qui me dit qu'il aime bien ce que je fais en ce moment sur ma chaîne, en particulier mes live analyses, et il me demande si je vais faire d'autres formats et si j'ai des futurs projets sur YouTube. Alors en vrai, franchement, d'autres formats peut-être, du coup ce serait plus d'IRL. Voilà, je pense que ça serait très bien de faire plus d'IRL. Pour un projet futur, ce serait super. Le projet en fait c'est tout simple, ça serait pourquoi pas faire une boutique, mais il faut pas que ça soit un truc genre trop précipité, vous voyez. Si je le fais maintenant, ça sera nul à chier vraiment, je préfère prendre mon temps, genre dans 2-3 ans. Mais voilà, sinon un petit projet, bah je reste un peu vague, mais on va dire une boutique. À quand une vidéo muscu comme promise? Alors écoute, ça fait à peine un an que j'en fais, et puis je pense pas avoir la crédibilité pour en faire maintenant. Enfin, vu mon âge, on va dire, puis même, je sais pas. Pour l'instant, tu vois, il y a plein de trucs qui font que ça aurait une mauvaise crédibilité. Donc pour le moment, je compte attendre un petit peu. Et puis même, en tout cas, dis-toi que ça se passe très bien. Je suis très content de ce que j'ai fait en un an. J'ai bien évolué. Je mets pas des stories tout le temps, mais vraiment, je vais pas trop m'étaler sur le sujet. Mais en tout cas, bah, je suis très content des résultats que j'ai eu grâce à mon coach aussi. J'en ferai sans doute une vidéo, les mecs, mais ça sera dans un peu plus longtemps. Mais vous inquiétez pas, je prends plein de vidéos, je prends plein de photos et tout, enfin il y aura une évolution de toute façon. S'il y aura une vidéo, ce sera une évolution, et puis faut qu'elle soit vraiment sérieuse, faut pas que ce soit un truc sur 30 jours sans pompe pendant 30 jours, un truc à la con. Donc question de Zarkom qui me dit: tes parents ont réagi comment quand ils ont vu que t'avais un entre guillemets salaire à ton âge? Écoute, d'un côté ils vont pas cracher dessus, mais de l'autre c'était vraiment la galère pour déclarer en fait, parce que bah j'avais pas 16 ans, là j'ai toujours pas actuellement 16 ans, et pour entre guillemets se déclarer, enfin déclarer ce revenu assez facilement, il faut avoir 16 ans pour être émancipable et tout, enfin un gros bordel. Du coup c'était un petit peu chiant sur ça. Ma mère elle a un peu paniqué quand elle a vu ça m'arriver des fois. C'était pas que avec YouTube, donc voilà, c'est pour ça que je parle d'autres projets et tout, il n'y avait pas qu'avec YouTube. Croyez-moi que genre en mode je suis pas là juste à prendre la grosse tête à dire ouais je vais créer une entreprise grâce à YouTube et tout. Et au final elle a un petit peu paniqué parce que elle a vu que bah des fois il y avait des sommes assez bien, on va dire, pour mon âge qui arrivaient sur mon compte, et en fait elle savait pas comment s'y prendre pour déclarer et tout. Mais bref, dans l'ensemble bah ils sont plutôt contents, même si leur chambre est juste derrière et quand je fais des lives ça les énerve un peu. Il faudrait vraiment que j'achète de la mousse acoustique. En tout cas voilà.
Mais en tout cas voilà les mecs, j'ai répondu aux questions les plus pertinentes. J'espère que ça vous aura plu. Il y avait des questions sur mes goûts aussi, mais j'ai pas trop fait parce que bah ça allait prendre beaucoup plus de temps. Je vais peut-être vous laisser avec 2-3 trucs drôles que je trouvais. Franchement les trucs qui ont marqué un petit peu dans mes vidéos, personnellement, ce que j'ai trouvé de super drôle. En tout cas voilà les mecs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous laisse avec la compilation. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. La bande de sœurs. Pas moi, putain. Ah, la prince, c'était Dose. Mais Dose, c'est un gamin. Oh, la merde. De quoi? Attends. On va montrer tout parce que genre y'a... Je ne peux pas voir. Du coup on va mettre ça. Oh, oh non mais ta race. On va sur thriller mec. On va sur thriller. Attends, j'appelle quelqu'un. C'est qui lui? Non, je vais le faire.